Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième édition de Montre Boîte et Bourse Reptile. Donc cette édition est consacrée à la bourse reptile d'Arras, donc de novembre donc 2018, hein, bien sûr. Donc cette édition un peu bizarre, ça se lançait bien. Et on a eu le droit donc à un contrôle de la DDPP et l'ONCFS. Alors on va revenir sur ce contrôle parce que beaucoup de choses ont été dites, des choses fausses notamment, comme quoi cette visite était pour les éleveurs amateurs, comme quoi c'était pour le nouvel arrêté qui est sorti, alors que non, en fin de compte, c'était juste pour les éleveurs étrangers qui n'avaient pas fait de demande de dérogation pour pouvoir exposer des animaux en France. Tout simplement. C'est un truc tout con. Moi, en tant qu'éleveur amateur, je ne les ai même pas vus sur mon stand. On ne les a même pas vus dans l'allée, d'ailleurs. Voilà. Après, bon, on propose pas forcément de choses non plus complexes chez nous. Mais voilà, même faire un tour sur des stands, ça leur arrive de le faire. Donc là, c'était juste pour ça. Et donc, suite à ce contrôle-là, beaucoup moins de monde. Donc, comme on sait, bien sûr, hein, le bouche-à-oreille fonctionne très vite. Et donc, dès qu'il y a un contrôle, c'est les réseaux sociaux, tout ça, ça s'emballe. Et ce qui fait que plus personne ne vient, les gens annulent, machin. C'est dommage. Parce que nous, on se déplace, on propose, et au final, pour une chose dont on n'est pas responsable, on le subit. C'est vraiment dommage. Mais bon. Une bourse bien sympa, donc on a revu bien sûr les amis et on a fêté donc les 5 ans de l'îlot tortue officiellement. Alors normalement on les fête au mois de mars, mais là j'ai décidé de les fêter donc au mois de novembre parce que ça colle avec l'anniversaire donc du décès de l'îlot, donc qui est un peu le fondateur de l'îlot tortue, qui est un peu le responsable de tout ce qu'on fait en fin de compte. Donc je tenais à ce que ce soit mis en place, enfin que l'anniversaire soit fait là, avec carrément une toute nouveauté, donc une nouvelle bannière, nouveau t-shirt, nouveau kakémono également, la mise en place d'un livre d'or aussi, donc pour que les amis puissent laisser un petit message. Donc j'en ai eu quelques-uns, ça m'a fait vraiment très plaisir, c'était vraiment sympa. En même temps j'ai pu nouer un partenariat donc suite à cela, parce que je suis donc le partenaire de Reptile Blade. Donc Reptile Blade que vous reverrez régulièrement donc au niveau de nos signatures de nos vidéos en tant que partenaire pour le lien de son site internet ainsi que pour de la publicité concernant ses produits. C'est un fabricant donc de t-shirts personnalisés tout simplement, de t-shirts, casquettes, tote bags personnalisés. Vraiment sympa, vraiment bien fait, très très cool et vraiment très pro. Et très commerçant, donc n'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur son site internet, voire même passer des petites commandes sur des créations personnalisées qu'il a déjà produit ou même qui peut vous produire pour vous. C'est vraiment sympa et c'est vraiment pas cher non plus, contrairement à d'autres sites internet où la qualité est moins bonne et est beaucoup plus cher que ça. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Pour la bourse d'Arras, on a plutôt bien marché, on va dire. Le départ de Chucky également était un petit pincement au cœur parce que je l'avais récupéré lors de la bourse d'Arras de juin. Et donc je l'ai replacé à la bourse d'Arras de novembre, en parfaite santé, avec sa visite médicale à jour. Et elle a fait vraiment craquer la visiteuse qui est tombée dessus. Alors j'avais d'autres petits bébés, plus petits, donc plus colorés. Mais c'est Chucky qui a fait son effet avec sa queue de repousse et son caractère. Pour voir quelqu'un qui tombe vraiment amoureuse du Gecko, qui en pleure même de se dire qu'elle pourra peut-être pas repartir avec, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et pour un animal qu'on a sauvé, c'est ce qu'on lui souhaite, qu'il soit aimé, alors qu'il n'a pas été aimé avant, qu'il puisse être aimé maintenant et qu'il part dans une famille qui va l'aimer, c'est l'idéal. Et là avec Chucky, c'est voilà, donc j'ai pas hésité non plus à faire un effort financier, on va dire, sur la chose, parce que quand on voit une personne comme ça, on sait qu'elle l'abandonnera pas et qu'elle prendra bien soin d'elle, et ça vaut largement le coup de baisser largement le tarif s'il le faut pour ça. Et j'ai des petites nouvelles aussi, elle va très bien, donc c'est parfait. Quand tout se passe comme ça, c'est l'idéal. Je préfère vendre un animal sauvé de cette façon là qu'un bébé à une personne qui va le voir, qui va juste dire ouais, elle a des jolies couleurs pour de la repro. Voilà, c'est plus gratifiant. Donc c'était un petit pincement au cœur. J'ai mis la photo de Chucky que j'avais faite au Polaroid, donc dans le livre d'or, hein, pour marquer le coup, on va dire. Mais voilà, ça m'a fait vraiment, vraiment très plaisir et ça a relevé la note de ce Arras là. Malgré les contrôles, ça a sauvé la journée au niveau émotionnel et au niveau rapport humain, vraiment, comme quoi on ne peut acheter vraiment un reptile parce qu'on l'aime, tout simplement. Voilà.
Donc on se retrouve pour une prochaine édition, donc ce sera la bourse des codes d'œuvres donc de 2019, hein, parce que bon, l'année est finie, hein, et les bourses sont finies donc à 2019.